médecine, là. Les docteurs, les grands docteurs, oh là, comment j'ai oublié son nom. Qui sont déjà décédés. Qui sont déjà décédés. Mmh. Ils commencent à citer. Mmh. Ils citent même les footballeurs. Mmh. Ils prennent par exemple, ils disent que des Ronaldinho comme ça, les Cristiano, les Lionel Messi. Que tous sont dedans. Oui. C'est pour ça qu'ils brillent comme ça. Pourquoi ils brillent. Mmh. En dedans, on leur donne les ballons d'or et autres là-bas, ils brillent devant les gens. Mmh. Ok. Tu quittes les Illuminati, quelle est la prochaine étape, c'est quoi? Comment tu es arrivé dans le football, je sais pas, et raconte-nous cette étape. Moi, je joue au football depuis le lycée. Mmh. Au football, c'était ma passion parce que je me rêvais être footballeur. Mmh. Et j'appelais, il y avait deux passions, football et médecine. Mmh. Quand je jouais mon football, il y a ce qu'on appelle les FENASCO. Mmh. On jouait les FENASCO. FENASCO, c'est la fédération quand les différents lycées, les différentes écoles se rencontrent, on jouait les inter. Mmh. Maintenant, on venait là-bas, on repérait ceux qui sont forts. Mmh. On vous prenait, on partait avec vous. Quand maintenant nous sommes partis, on avait organisé un grand tournoi au Cameroun, on prenait plusieurs joueurs un peu de partout dans les villes. Mmh. On nous avait donc pris. C'est maintenant là qu'on a joué, nous sommes allés en Guinée, on a joué. Et qui ça, cette sélection-là, qui a fait? C'était l'école Wing Steak. C'est quelqu'un qui sort de Yaoundé. Mmh. Il vient faire la sélection. Oui. Puisqu'on avait joué la finale au marché B à Douala. Après la finale, nous sommes partis en Guinée, Congo. On jouait. Maintenant, quand on jouait, on avait les bagues. On nous donnait les bagues. Qui donnait? Le monsieur là. Le monsieur. Quand on vous a sélectionné, vous étiez d'abord les meilleurs. Vous ne saviez pas qu'il y avait des bagues. On ne savait pas. Mmh. C'est quand nous sommes arrivés à l'extérieur qu'on a commencé à nous donner. On a dit que c'est juste pour vous protéger parce que même les gens avec qui vous jouez. Mmh. C'est là. Parce que notre premier match, une fois, avant qu'on ne voyage, il y avait ceux qui étaient déplacés, qui étaient venus. Ils avaient gagné 7-0. On comprenait pas comment ils ont fait. Attends d'abord. Donc, premier match, on vous a tapé combien? 7-0. On ne connaissait pas combien ils ont fait. Ils ça, c'était contre quelle équipe? Ça, c'était contre une équipe maghrébienne. Mm-hmm. On ne connaissait pas combien ils ont fait. Mm-hmm. Continue. Maintenant, quand nous sommes déplacés, on nous a donné les bagues. On jouait maintenant. Oui. Donc, c'était. Oui. Donc, on jouait, c'était équilibré. Oui. On jouait, on gagnait. Mais ce que tu faisais au stade, après que tu retirais ces bagues-là, tu ne peux plus le faire. Oui. Donc tout ce que les Neymar font là, tu pouvais faire ça sur le stade. Oui. Mais après que tu retirais ces bagues-là, tu as ton propre niveau en toi. Oui. Donc ça dit que tu es d'abord brillant. Oui. Sur le stade, vous mettez ça, comment vous mettez la bague? Vous mettez la bague comment? On mettait sous l'orteil ici. Mmh. Vous portez la bague dans les chaussures dans, et non, là où vous enfilez la chaussure, vous mettez on la chaussure. On met la chaussure. Mmh. Maintenant, on jouait. Quand vous avez tapé 17-0, c'est là où vous expliquez que c'est comme ça qu'ils font. Qu'ils utilisent la magie. Mmh. Que nous, on doit utiliser la magie, mais on veut utiliser la protection. Mmh. Ah ben, on vous explique que c'est la magie. Il faut se protéger contre eux. Oui. Très bien. Et la première fois que vous avez porté le truc, toi-même, tu sentais que tu jouais. Toi-même, tu ressens que tu joues. Mmh. Mais il y a un moment, tu oublies même que tu as porté la bague sur ton pied. Donc, parce qu'en jouant, tu oublies que tu as quelque chose. Toi, c'est quand tu finis que tu dis, la bague, c'est après peut-être 3 matchs que j'ai attiré l'attention de mes amis. Que gars, parce que moi, pour revenir, que à tout moment, était toi de réfléchir, que telle chose, comment se fait-il aux entraînements, dit que gars, tu te rends pas compte que quand on met la bague, il y a un changement. Mm-hmm. Il y a un changement qui se passe. On a commencé à réfléchir. On sait que, mais maintenant, je dis que, attire un peu ton attention, regarde, dès qu'on finit, on récupère, nous, ne nous laisse pas avec. Mm-hmm. Tout ce donc, quand vous finissez le match, on vous récupère la bague. Je dis que tout ce qu'on faisait au stade, on n'arrivait plus à faire aux entraînements. Mm-hmm. On essayait même deux fois, rien. Mm-hmm. Je dis que, gars, c'est louche, gars. Donc, ça veut dire que nos stars qu'on enviait, parce que ça avait fait jusqu'à moi, je n'envie plus un footballeur. Mm-hmm. Je n'envie plus un footballeur. Tu comprenais que c'est comme ça que qu'il faisait. Oui, peut-être qu'il joue même avec, il joue avec le remède. Mm-hmm. Après ça, quand nous sommes rentrés, on nous a donc amené sur une longue étape. On nous a ça, c'était où? À Douala ou à Yaoundé? À Yaoundé. Mmh. On nous a toujours le même club? Oui. Mmh. Non, on nous a pris 5. Oui. On nous a mis sur une longue étape. Mmh. Dans le plan. Mais vous voulez dire que c'est le même monsieur qui a le club là, qui vous a amené partout là? Oui. Mmh. On nous a mis, on nous a donc pris l'assiette. L'assiette que tu pouvais, il y avait ta condition. L'assiette, il y avait ta condition dedans. Mmh. Oui. Attends, ils vous ont amené dans une table, peut-être dans une réunion, dans une salle de conférence. Mm-hmm. Ils ne vous ont pas dit pourquoi ils vous ont amené là-bas.
On a dit qu'on va discuter. Discuter. Pour l'évolution, parce que c'était, il y avait États-Unis, il y avait Espagne, il y avait pour voyager, pour aller jouer. Pour aller jouer. Maintenant, il y avait la condition de chacun dans son plan. Là, comme tu étais allé t'asseoir, chaque personne était sur sa place. Oui. Il y avait le plat. Vous croyez que c'était la nourriture? Oui. Et qui présidait la réunion? Qui était là? Dans cette, sur cette table-là, vous étiez au nombre de combien? Il y avait vous, les joueurs. Combien de joueurs? Nous étions 5 joueurs. 5 joueurs. Et qui d'autre? Il y avait maintenant tous les grands types là. Il y avait aussi les sélectionnés qui sont quittés. Oui. Parce que dès que tu acceptais là, tu partais une fois. Oui. Tu partais. Il y a les sélectionnés qui viennent de l'extérieur. Oui, de l'extérieur. Dès que tu n'as même pas besoin du passeport, rien, tu pars seulement. On fait ça là-bas. Oui, tu as assis, nous n'étions plus de vœux. On essaie de te convaincre. Quand tu ouvres ton assiette, tu vois le nom dans ta condition une fois à l'intérieur. Oui, ma père était donné mon petit frère. Moi maintenant, quand j'ai pris cela, je suis sorti. Tes amis, tu as su les conditions des autres? Moi, je suis que pour celui qui a refusé. Les autres qui ont accepté ne peuvent pas te dire. Les autres, trois ont accepté, ils sont partis. L'autre aux États-Unis, l'autre en Espagne. Et ils jouent là-bas? Ils jouent. Bientôt, tu vas le voir dans les clubs, ils vont jouer, on dit que c'est un grand. Oui. Maintenant, même jusqu'à là, pour qu'il soit grand, il faut qu'il accepte. D'autres un conditions, niveau avant que même sa mère, pour être grand. Maintenant, donc, la condition évolue selon les niveaux que tu viens progresser. Selon les niveaux que tu viens progressivement. C'est niveau par niveau, niveau par niveau, niveau par niveau. Pour arriver peut-être au niveau des Ibrahimovic comme ça, là, il faut liquider même toute ta famille. Soit si tu ne liquides pas ta famille, il faut être dans l'Illuminati. Parce que être dans l'Illuminati, l'Illuminati, on ne sacrifie pas. Tu ne sacrifies pas, on t'utilise plutôt. Maintenant, dans les autres, pour faire progresser, tu sacrifies, tu verses le sang pour évoluer. Maintenant, si tu es que dans ce genre, tu peux sacrifier toute ta famille pour être au top. Pour la gloire. Oui, un peu comme les musiciens qui sacrifient toute leur famille parce que les musiciens ont le succès. Ok. Tu ouvres ton plat, il y a on veut ton petit frère. Est-ce qu'on donne la façon que tu vas le sacrifier? Non. Si tu acceptes seulement, il meurt. Oui. Mais c'est quel groupe encore qui est dans le football comme ça? Ça, c'est sur les Illuminati, c'est quel nom encore? Comment leur groupe, on les appelle comment? Ils ne disent pas. On te donne seulement la condition, mais tu ne connais pas quel est le groupe. Quel est le groupe? Maintenant, c'est quand tu seras dans le club où tu vas partir. C'est maintenant à toi de voir si tu vas quitter. C'est maintenant à toi de choisir ta destinée. Soit tu vas partir dans l'Illuminati, soit. Maintenant, l'Illuminati, c'est pas toi qui choisis d'être dans l'Illuminati, on t'approche pour être dans l'Illuminati. L'Illuminati, on ne choisit pas. Non, tu n'entres pas. Ils te coptent. On te copte. Parce qu'ils veulent les intelligences. Ils veulent ceux, par exemple, comme un musicien, il peut venir chanter là. 20 personnes meurent. On veut ce genre de personnes. Dans l'Afrique, quand ils chantent, les gens tombent et meurent. Très bien. Donc, tu as la condition, ton petit frère, tu ouvres, tu regardes. Les gens attendent ta réponse. Oui. Et on ne te force pas. On ne te force pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ne dis pas non. Tu dis que tu vas réfléchir. Tu dis non. Vous allez voir, il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui ont le fer dans le pied. Les gardiens qui ont le fer dans la main. C'est ceux qui ont refusé les conditions. Tu peux faire un accident. On met le fer dans ta main. Pour t'arrêter le football. Pour t'arrêter dans le football. Moi, maintenant, je n'avais pas dit non. Jusqu'à chaque année, je vais réfléchir. Jusqu'à ce moment-là que je me suis écarté. Tu as dit qu'il y avait un de tes amis. Parce que c'était 5. Lui, on avait demandé son. Il devait coucher avec les hommes. Coucher avec les hommes, l'homosexuel. Oui. Il a dit. Il avait refusé aussi. Parce que moi, il avait dit que ne dis pas non, gars. Moi, on m'a toujours appris qu'on ne dit pas non. En disant non, on peut t'attaquer. Lui aussi, il a dit qu'il va réfléchir jusqu'à nos jours. Il est au Canada. Lui, il n'est plus. Il n'est plus dans le football. Oui, lui, il a lui laissé. Il a dit qu'il n'est plus dedans. Et les trois autres qui ont accepté, ils sont partis. Oui, ils sont partis. Ils évoluent maintenant, ils sont bien. Donc maintenant, à l'issue de ça, quand tu es sorti, tes coachs et autres, tous ceux avec qui tu jouais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais pourquoi, déjà, dans votre équipe, pourquoi on vous a sélectionné, vous cinq seulement? Parce que nous on nous a sélectionné dans une même équipe. Dans nous, qu'il y avait fini, les autres qui allaient entrer. Ok, c'était équipe par équipe. Vous avez bloqué cinq. On sélectionnait, si peut-être on nous a sélectionné, nous deux des mêmes équipes, on va entrer nous deux d'abord. Ok. Maintenant, les autres, ça dépend. Il faut qu'ils prennent que ceux qui étaient plus forts. Par exemple, dans une équipe, il y a même parmi les forts, il y a encore les forts. Il y a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, en réalité, ils détectent ceux qui ont une performance. Oui. Ils exploitent cette performance pour dire que okay, c'est eux qui font comme ça. Là, et ils exploitent.
Et quand tu es sorti de football maintenant, est-ce que ça t'a permis, en dehors de ça, quelles sont les choses bizarres que tu as fait dans le foot, les pratiques? Vous êtes allé au cimetière, vous avez fait les pratiques? Non, on utilisait juste les bagues. Les bagues. On ne vous a jamais dit où la bague sortait, vous ne me posez pas de questions. Non, c'est après que je me suis posé la question avec mes amis là. Mm-hmm. Mais tu te rends compte que si tu poses la question, on peut te chasser. Mm-hmm. On restait seulement dans la dynamique de rester comme ça. Mm-hmm. Que, ah, c'est seulement pour un temps. Mm-hmm. On va faire quoi? Ça, c'est le niveau que vous jouez. Et il faut porter les bagues pour gagner les matchs. C'est à quel niveau? C'est le niveau. Comment il veut dire cela? C'était le niveau Elite 1 ou bien Elite 2? Non, c'était juste une équipe fondée. Donc, c'était pour un avoir club comme la, ça. Oui, donc c'est des gens qui font pour avoir. Parce que ce sont les plus grands buzzers. Oui, c'est les gens qui font pour gagner maintenant énormément d'argent. D'argent. Et à l'issue de ça, ils disent qu'ils sont les agents des joueurs. Les agents pour pouvoir vendre maintenant. C'est comme ça. Ok. Et à ce niveau, si on utilise la magie dans le football, qu'est-ce que tu peux dire donc au niveau international, au niveau de comment les Lions indomptables, les équipes nationales, à ce niveau-là, quel style de puissance on utilise là-bas? Au niveau des Lions indomptables, pour eux. C'est-à-dire, je veux dire que si au bas niveau, déjà, où vous faites juste les entraînements pour qu'on sélectionne, pour monter en grade, ou bien dans les grands clubs, si déjà ça se pratique ici la magie, ça veut dire que dans les équipes nationales, comme on voit que ce soit l'équipe de France, l'équipe d'Égypte, l'équipe du Cameroun, etc., ça veut dire que ça va être grave là-bas, pas vrai? Oui, là-bas c'est grave. Mm-hmm. Là-bas, à leur niveau là, c'est très grave. C'est pourquoi vous allez voir, on va sélectionner un jour aujourd'hui. Mm-hmm. Demain, on ne va plus le sélectionner parce qu'il a refusé quelque chose. Mm-hmm. Demain, on ne l'appelle plus. Mm-hmm. Mais eux, ils ne disent pas. Mm-hmm. Tu vas voir aujourd'hui, il y a un joueur avec qui on a grandi. Il a joué un avant-centre camerounais avec qui on a grandi.